Eh bien, bonjour à toutes et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien et j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen, je vais être avec vous pendant une petite heure et aujourd'hui, je suis extrêmement bien entouré puisque je suis avec Aurore B, qu'on a reçue il y a quelques semaines. Bonjour Aurore. Bonjour. Et avec Laura Lullier. Bonjour Laura. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux, bienvenue sur behance.net/live/fr. Pour les gens qui nous auraient retrouvés sur la chaîne YouTube Adobe France, je vous ai mis le petit lien, je vous ai mis « Retrouvez-nous sur Behance », comme ça, ça nous permet d'avoir qu'une seule conversation à suivre, ça nous permet de voir vos portfolios et de découvrir qui fait quoi. Donc bonjour à Thierry, Daniel et Mélocoton du côté YouTube, rejoignez-nous de l'autre côté. Et puis de l'autre côté, bonjour à Olivier, Lucille, Jamila, Virginie, Bref de Jeu, Egan, Greg, Delphine, Laurence, Mélocoton et tous les autres. Donc bienvenue. N'hésitez pas, si vous voulez échanger avec nous sur le chat, c'est le moment, on est tous là et on est prêt à écouter vos questions, à parler avec vous et à discuter avec nos deux invités. D'ailleurs, les deux invités, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques secondes pour ceux qui n'auraient pas vu les sessions précédentes? Vas-y. Du coup, moi c'est Laura, je suis illustratrice depuis 2 ans à temps plein. J'ai une formation de designer graphique, mais maintenant je m'en sers seulement pour moi personnellement. Et voilà, je suis contente d'être là aujourd'hui pour dessiner un peu sur fresco avec vous. Super, merci. Et Aurore, qui es-tu? Alors, moi je suis Aurore Bess sur les réseaux sociaux. Comme Laura, j'ai une formation de designer graphique. Je suis maintenant plutôt illustratrice et en freelance depuis maintenant 3 ans. Et puis, je dessine beaucoup, beaucoup sur l'iPad. Du coup, je suis très contente de pouvoir faire cette petite démo sur Fresco avec vous aujourd'hui. Bon, ça, c'est plutôt une bonne chose que tu sois très contente de le faire parce que nous, on a très envie justement de voir ça, de comprendre un petit peu ce qu'on peut faire avec Fresco. Moi, je vais faire un petit sondage dans le public parce que je sais qu'on a plein de gens qui nous regardent, qui nous suivent. Déjà, est-ce qu'il y a des nouveaux qui n'auraient pas vu, qui pouvaient parler avec nous dans le chat? Si vous êtes nouveau, c'est le moment de dire bonjour parce que là, j'ai dit bonjour à plein de gens. Il y en a plein dont je connaissais déjà les noms. Ça, c'est triché. Et si vous êtes tout nouveau, est-ce que vous connaissiez l'une, l'autre, les deux, nos deux invités du jour? Ça, c'est la deuxième question piège. Et parce que du coup, tiens, Robin, Payet, Ketzer et Coralifo nous ont rejoints de ce côté-là. N'hésitez pas du côté YouTube à cliquer sur le petit lien que je vous ai mis. Voilà. Bonjour Adeline, bienvenue. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et comment on va le faire? Dites-moi, expliquez-moi un petit peu. Alors, du coup, aujourd'hui, on va dessiner sur Fresco, toutes les deux. On a choisi un thème pour ce mardi qui est donc Halloween. Donc, vu que c'est samedi, on s'est dit que c'était le thème parfait, en fait, pour aujourd'hui. Et du coup, on a préparé toutes les deux des petits croquis en rapport avec le thème. Et on va dessiner du coup en direct sur l'application. Voilà. Je crois qu'on est toutes les deux parties dans les citrouilles et les sorcières vraiment Halloween de toute manière, donc c'est cool. Ça c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, en parlant d'Halloween, on arrive sur la semaine, alors juste après Adobe Max, et je me demandais d'ailleurs si vous aviez, vous, pu regarder des morceaux d'Adobe Max ou pas encore. Oula, j'entends pas du tout Laura.
C'est bon. Oui, je voyais tes lèvres bouger, mais je t'entendais non, pas bouger. Oui, j'ai un petit problème. Mais non, moi, j'ai pas encore eu le temps. J'ai eu une semaine très chargée, mais je compte bien reprendre mon retard après. Et Aurore, toi, tu as eu le temps d'y jeter un œil hein? Alors moi, j'ai eu le temps de regarder la keynote de Max quand elle est passée en live pendant qu'elle passait. Ouais. Et après, j'avais fait tout le calendrier. J'avais vu qu'on pouvait faire un planning avec toutes les cours et toutes les sessions qui passaient. Du coup, je m'étais fait mon petit planning. Je n'ai pas encore tout regardé. J'en ai regardé quelques-unes, mais j'en ai encore 3-4 à rattraper. J'avais fait un beau planning. Hein. Très bien, très bien. Et dans le chat, vous, est-ce que tout le monde avait suivi un petit peu tout ça? Est-ce que dans le chat, on a des gens qui étaient sur Adobe Max? Ça, c'était une grande question. Intervenants. Ah ouais. Alors dans les intervenants, je crois pas trop. Je pensais plus. Enfin ou alors peut-être. Hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Si on a eu Aurélia Durand qui est venue avec nous et qui pourrait être dans le chat. Non, c'était plutôt est-ce que les gens eux aussi ont suivi un petit peu Adobe Max. Et la deuxième question, parce que je vais rebondir dessus derrière, c'est est-ce que vous êtes utilisateur de Fresco? Pas encore. Ça j'aimerais bien le savoir les uns les autres. Non, pas forcément. Salut du 974, c'est quoi? C'est la Réunion, ça? On a des gens qui viennent de très loin pour vous suivre. Ah, wow. Trop bien. Quel honneur. C'est stylé. Et du coup, je me demandais si on pouvait... On va bientôt partager vos écrans, je crois. On va encore en 2 petites minutes. On va essayer de partager vos écrans dans 2 petites minutes et on va voir... On va pouvoir regarder un petit peu comment ça se met en place. Alors, Christian nous dit oui, c'était super. Oui, pour Adobe Max, nous dit Clémentine. Oui, oui, oui. J'ai suivi cette vidéo sur les case studies, nous dit Virginie. Tiens, toi, Aurore, qui a regardé d'autres sessions que juste la plénière, quelle a été ta session favorite sur Adobe Max? Oula, après, je n'ai vraiment pas encore regardé du tout. Hein. Oui, tu peux en avoir vu une, deux et avoir accroché aux une ou deux que tu as vues. Laquelle j'ai le plus accroché, c'est celle que je te disais tout à l'heure en off. J'en ai regardé une des sessions des États-Unis qui était sur les réseaux sociaux avec une fille qui s'appelle Jessica, je m'en rappelle plus mon famille. Et Jessica Neistat Oui, c'est ça. T'as vu? Et du coup, elle expliquait comment faire des mini-vidéos, faire des stories avec Adobe Rush. Mm-hmm. Et comme je n'avais jamais utilisé cette application, ça m'a permis de découvrir ça et de pouvoir commencer à faire des mini-vidéos. Donc, très pratique pour faire des stories, des reels, des vidéos pour YouTube en entrecoupant rapidement, quoi. Donc, ça m'a fait gagner beaucoup de temps et j'ai pu faire de nouveaux trucs avec ça. Donc, c'est très chouette. Ah, ça, c'est cool. Parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas Aurore, toi, tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu postes très, très régulièrement. Donc, tu fais plein de montages tout le temps. Très, très régulièrement. Une fois par mois environ. Bah, c'est déjà pas mal. C'est régulier. Ouais. Mais ouais, je fais du montage sur Premiere Pro, du coup. D'accord. Du coup, bah, tu vas pouvoir développer un petit peu le reste. Ok, 2, 1, je comprends pas. Alex, il me faut que tu me parles sur Slack, ce sera beaucoup plus simple si tu as un truc à transmettre. Là, on va pouvoir parler de ça. Et pendant ce temps-là, vous avez le droit de dessiner de votre côté parce que je sais que vous êtes en train de faire des brouillons, des croquis. Et moi, ce que je veux, pour l'instant, personne ne les voit et je suis le seul à les regarder, à voir un petit peu ce qui se passe derrière. Et du coup, donc là, vous avez chacune fait des croquis et ces croquis-là sont pas encore, vous les avez pas montrés l'une à l'autre avant là maintenant. Exactement. Je ne sais pas du tout ce que Aurore a préparé. Alors, on va pas garder la surprise beaucoup plus longtemps. On me dit que c'est bon et qu'on peut y aller et qu'on peut partager. Donc, on est sur vos deux écrans quand vous voulez. C'est parti. Et du coup, tiens, on va faire un sondage dans le chat. Il faut que les gens devinent quel écran est à quelle personne. Ça va être facile. Si les personnes connaissent notre style, ça ne devrait pas être très compliqué. Non, on a mis les scènes dans le bon ordre, donc logiquement tout va bien pour tout le monde. Et donc on a bien l'iPad d'Aurore sous ta tête et l'iPad de Laura sous la tienne, donc tout va bien. Parfait. Nickel. Alors, ouais, racontez-moi un petit peu ce qui se passe.
sur l'écran. Alors moi, mais je ne sais jamais qui commence. Vas-y, on va dire que c'est toi qui commence toujours. Vas-y. Okay. Alors du coup, moi j'ai dessiné un personnage avec un costume d'Halloween, mais qui ne fait pas très peur en soi. Enfin, il croit qu'il fait peur, mais il ne fait pas peur du tout. Donc il est déguisé en tigre parce que j'adore les tigres, j'en dessine vraiment beaucoup, c'est un peu ma marque de fabrique du coup, c'est un peu devenu ça. Et un petit chat du coup qui se dit que c'est un petit peu ridicule ce costume. Puis les citrouilles, voilà. Toi tu dis que c'est ridicule, mais Adeline veut absolument cette combinaison tigre. Donc je pense qu'il y a un marché à prendre. On va travailler dessus. Je garde ça. Et du coup, pendant ce temps-là, Aurore, toi, qu'est-ce que tu nous as proposé ? Alors, moi, j'ai fait une sorcière qui est en train de faire du DIY sur des citrouilles, ouais. Qui est en train de graver ses petites citrouilles chez elle. Et bon, alors moi, je me suis avancée dans le croquis, j'avais déjà à peu près choisi les couleurs. Mmh. Du coup, j'ai déjà à peu près les couleurs de ce que je vais faire après. Et je trouvais qu'elle avait... Je me suis amusée sur les vêtements, faire un truc un peu stylé, pas trop noir non plus, Halloween, et pour pouvoir après tout dessiner avec plein de petits détails. Moi, j'aime bien en ce moment faire plein de petites scènes avec des détails un peu partout. Donc là, je me suis amusée, j'ai des citrouilles, des motifs. Ça m'a l'air d'être la bonne saison pour ça. Ouais, ça m'a l'air d'être carrément. La très très bonne saison. Donc ça, c'est cool. Est-ce que ça vous arrive déjà de dessiner l'une avec l'autre en même temps, en parallèle, ou est-ce que c'est tout nouveau et c'est l'occasion qui fait le larron? C'est vraiment alors... la première fois. Exact, on a fait exprès, ouais. On a gardé l'occasion pour pouvoir vraiment se connaître et discuter ensemble à ce moment-là, quoi. Parfait. Dans les commentaires, il y a Louré qui nous dit « Bonjour, c'est la première fois que je suis en live Adobe, mais je connais Aurore sur les réseaux sociaux. » Et on a Florence Chevalier qui nous dit « Hello la team Halloween, graphiste, je souhaite mieux connaître Fresco en vue de me lancer en illustration sur iPad et je suis une fervente admiratrice d'Aurore. » Oh, ben merci. Tu vois. Et Jim nous dit « Concernant l'iPad, est-ce qu'il faut un iPad Pro pour les apps Adobe ?» Et donc là, vous êtes toutes les deux sur des iPad Pro, et moi, ma réponse sera non, il ne faut pas un iPad Pro, c'est pas nécessaire. Non. Je suis sur un iPad. Du moment que vous avez le stylet Apple Pencil qui marche dessus, ça marche tout seul. Après, ça, c'est pour les iPads nouvelle génération. Parce que moi, je sais que le mien, il date de 2017, mon iPad. Ouais. C'est un 10.5, je crois. Et à cette époque, c'était que les iPad Pro. Les iPads de cette génération qui ne sont pas pro ne fonctionnent pas avec le stylet. Mais après, si vous rachetez un iPad aujourd'hui parce que vous voulez. Ah oui, là, normalement, il n'y a pas de. Y a pas sur de Fresco, doute, vous pouvez prendre n'importe lequel. Exactement. Ils ont fait exprès. Très bien. Bon, bah, du coup, si vous avez signé plus. Et ben, ça tombe bien parce que c'était exactement l'idée. Moi, pendant ce temps-là, je me tourne les pouces et tout. Je ne fais rien de particulier. Voilà. Je regarde, je lis tout le monde. T'as le temps d'admirer comme ça. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est assez agréable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Et je ne sais plus qui m'a dit, Greg me dit, tiens, j'utilise pas encore Fresco, j'ai pas d'iPad, mais je viens de le télécharger pour iPhone. Et quelles recommandations pour appréhender le programme sur iPhone ? Alors, premier truc, j'espère que tu as un gros téléphone, parce que sinon, c'est pas facile. Ou alors que tu es habitué à dessiner dans des tout petits carnets. Donc les fans de Moleskine devraient se reconnaître. Et après, j'ai suivi des sessions sur Fresco qui étaient données par Da Creative Genius, dont j'ai plus le nom en français. Et lui utilise son iPhone pour dessiner et du coup, il s'est trouvé un stylet Bluetooth qui fait la pression sur l'iPad et qui ressemble beaucoup au stylus d'Apple. Donc normalement, vous ne devriez pas être perdu pour ça. Et moi, ce que j'avais fait de mon côté, c'était ça. En fait, j'ai ressorti, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 5-6 ans, il n'y avait pas encore les stylets à pression. Du coup, c'était des espèces de stylets avec un bout caoutchouc qui était proposé et qui fonctionne très bien d'ailleurs. Mais il n'y a pas la pression dessus. Donc c'est un petit peu plus lisse comme fonctionnement.
Après, il faut tester hein, sur téléphone. Hein. À mon avis, c'est un peu petit. Hein. Moi, j'ai un iPad hein, très, très grand et du coup, j'arrive pas. Restez si vous y arrivez. Écoute, je vais tester en direct. Je vais pas partager mon écran parce que ça fait beaucoup trop d'écran, mais je vous montrerai à la fin. Puis si je partage mon écran là maintenant, et il y a Alex qui va perdre ses derniers cheveux. Mélo Coton nous demande, est-ce que vous pourriez, l'une puis l'autre, commenter ce que vous faites, s'il vous plaît? Et comme on a dit qu'on commençait par Laura, c'est Laura qui commente. Allez. En premier. Alors moi, du coup, j'ai commencé par faire le fond, parce que genre, j'aime bien avoir un fond de couleur et pas un fond blanc, sinon ça me perturbe un peu pour la suite des couleurs. Et du coup, j'ai décidé de commencer par un fond foncé parce que dernièrement, j'ai fait beaucoup de fonds très clairs et du coup, ça change un peu l'ambiance. Et j'adore les textures. Et du coup, j'ai choisi le brush Cardboard Wash pour vraiment, faut le mettre en très gros et bien colorier le fond pour que ça donne un effet vraiment peinture, texture qui est sympa. Du coup, là, vraiment, je commence par travailler mon fond et ensuite, je vais aller au fur et à mesure dessiner les personnages. Je pense que je vais commencer par le tigre, mais en tout cas, voilà, je commence par le fond. C'est cool, très bien. Question sur le brush que tu as sélectionné, c'était un brush que t'as, qui est en standard dedans ou c'est un que tu avais dans tes bibliothèques à toi? Non, je crois qu'il est dans le pack, il est dans le Summer 2020. D'accord, brush. De Kieferling. Ouais, de Cal Webster, pardon. Ouais. J'ai beaucoup dit Kieferling récemment, donc ça me reste en tête. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous aviez regardé le concours Kieferling qui a eu lieu pendant tout le mois de septembre, là? Bah, j'ai vu pas mal de choses passer sur Instagram. Des gens qui avaient du coup dessiné ouais, avec les brushes et qui relayaient le nouveau pack. Mais j'ai pas vu. Pas participé, t'as pas testé encore? Non, ouais, j'ai pas testé. Justement, j'ai téléchargé le pack cette semaine, j'ai regardé un peu et c'est vrai qu'il y a des trucs sympas. Mais il y en a tellement des broches que faut faire une petite sélection. Ah bah ça, c'est clair que c'est pas évident. Moi, je sais que là, tiens. Une notion importante pour ceux qui dessinent sur Photoshop, je sais pas s'il y en a d'ailleurs sur le chat, si vous êtes dessinateur Photoshop, manifestez-vous, écrivez PS, PS, PS. Il y a depuis mardi 20 du coup, sur Photoshop, dans le champ des pinceaux, dans le panneau des pinceaux, vous pouvez rechercher vos brosses, vos pinceaux par nom, ce qui fait que quand vous cherchez le Inky Shredder, parce que c'est ma brosse préférée de tous les temps, et ben vous n'avez plus qu'à le taper, vous n'avez pas besoin de réorganiser toutes vos brosses. Et ça, c'est cool. Mais évidemment, ça va parler que aux gens qui sont sur Photoshop. Guillaume nous dit « Je suis jaloux des biceps du personnage d'Aurore. » Du coup, c'est peut-être l'occasion de parler parler de ce que tu fais, toi. Alors, moi, j'ai fait, du coup, comme je disais, une petite sorcière, mais là, sur le dessin... En fait, j'ai déjà disposé les couleurs parce que généralement, je mets beaucoup de temps à chercher quelles couleurs vont sur mon dessin. Donc là, j'ai remis mon calque couleur en on, mais c'est pour ça, pour vous montrer. Donc, j'ai ma palette de couleurs que j'avais fait à côté et que j'ai importé dans Fresco. Donc là, j'ai mis toute ma palette d'automne. Alors, j'ai plus de son. Non plus, j'entends plus. Oh. On a perdu le son d'Aurore. Bon, ben on va rester à deux en tête à tête. C'est dommage parce que c'était quand même le moment où tu partageais et où tu présentais ta sorcière. Oui. Et on avait réussi même à mettre ton écran en plein écran. Non. Eh oui, c'est le drame. Qu'est-ce qui a été touché? Qu'est-ce qui a été démonté, rebranché? Rien, les AirPods sont fonctionnels, tout va bien. C'est un mystère. C'est un grand mystère. En tout cas, on ne t'entend plus du tout. Hein. Là, plus de son, rien. Tu fais des grands gestes. Bah, si tu veux, tu peux dessiner en muet. Puis après, on va repasser sur les deux écrans, comme ça, on trouvera. Et on reprendra l'explication plus tard. Et pendant ce temps-là, Lucille nous dit la fameuse technique d'Aurore qui fait tous les tracés avant de tout remplir. Est-ce que vous avez une technique pour choisir vos palettes? Du coup, je vais poser la question à Laura, tant qu'on n'entend pas Aurore. Alors,
Absolument pas. En fait, moi, vraiment, je prends une couleur pour commencer. Par exemple, là, j'ai pris la couleur du fond. Et puis, en fait, toutes les couleurs qui vont suivre, ça va être que des couleurs qui, je trouve, vont bien avec celles d'avant. En fait, dans ça se construit couleur par couleur. Mais j'ai pas du tout je prépare pas du tout de gamme colorée ou des choses comme ça. Genre, c'est vraiment au fur et à mesure, j'ajoute des couleurs. Et puis, en général, ça va vu que c'est un par un. Généralement, tout va bien ensemble à la fin, quoi. Bon, c'est pas vraiment une technique du coup, mais... En tout cas, j'espère qu'on récupérera le son d'Aurore prochainement. Ouais. Ça nous ferait trop plaisir. Aurore, n'hésite pas. Pour l'instant, t'as le droit de parler, tu sais, genre, tu parles toute seule. Et au moment où on t'entend, on sera hyper content. Non. Non, ça ne veut pas. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de magique sur ça pour que tu puisses nous entendre? Qu'est-ce qui a pu sauter? Tes AirPods sont pas repassés sur ton téléphone par hasard? Genre, ce serait ton téléphone qui entend tes AirPods? Est-ce que t'as un casque audio qui est filaire? Non. Un ami? Est-ce que t'as des amis? la question absolument affreuse. Ouais, en live en plus. C'est dur. Hein. Non, mais c'est parce qu'il y a plein de gens qui sont venus en disant qu'ils étaient fans d'Aurore, donc je peux, voilà, au pire, si elle n'a pas d'amis, elle a des fans. Oui, voilà, c'est ça. Bon, Lucille nous disait que c'était top de vous regarder. Clémentine nous dit, ouais, sur Photoshop, et c'est très bien de pouvoir lisser aussi le trait pour l'ancrage. Et que c'est cool d'avoir deux invités qui travaillent en simultané. Double whip. Et oui. C'est un bon exercice de travailler en live. Des gens qui te regardent. Oh mon Dieu. Alors... Du coup, là, je fais la couleur du tigre et je viendrai mettre les matières après à l'intérieur avec des masques d'écrétage, je pense, et puis des pinceaux avec vraiment plus de texture. Mais là, c'est vraiment pour avoir des contours vraiment propres et bien, bien dessinés. Pour l'instant, pas encore de traces d'Aurore qui est marquée en muet. Donc, est-ce que, Aurore, il y a un bouton vert de partage de son que tu n'aurais pas activé ou comme c'est rebranché à nouveau sur le nouveau casque, il ne l'a pas encore vu? Vas-y, essaye. On peut le faire. Tu sais, genre dans Zoom. Tiens, on va partager l'écran de Laura. Comme ça, tu vas pouvoir faire tes manips derrière, en arrière-plan. Et on va essayer de trouver ce merveilleux bouton qui te permettra de retrouver du son. Ce sera la joie pour tout le monde. Mais oui. Comme ça, pendant ce temps-là, on regarde le costume de tigre. J'avoue, j'aimerais bien en avoir un. On peut faire ça. On peut le construire, peut-être. Alors, je pense qu'ils le font, mais je ne suis pas sûr qu'ils le fassent à une taille adulte. Oh, ouais, c'est vrai. Je pense. Ou dans des boutiques spécialisées. Ouais, mais déjà, j'en ai pas vu beaucoup. Enfin, si, il y en a des costumes de tigre, mais pas avec la tête comme ça. Alors, Florence nous demande combien il y a de broches sur Fresco, parce que c'est plus limité en version free. Alors, c'est plus limité, mais vous avez quand même un bon paquet de broches sur lesquelles vous pouvez travailler. J'ai plus le nombre en tête, parce que ben moi, je trouve que c'est cool, et du coup, j'ai pas la version free. Mais il faut vraiment l'essayer, parce qu'il y a plein de... Il y a de toute façon, dans les premières brosses, de quoi s'occuper et de quoi dessiner très clairement. Et Camille nous dit bonjour avec un peu de retard. Bonjour Camille. Je marche ou toujours pas? Si, ça marche. Voilà. Et là, soudain, on entend à nouveau Aurore. Ah non, qui... mais moi, tout le temps, quoi. Un jour, je n'aurai pas de bug. C'est le risque. Non, ouais. Sinon, c'est pas drôle. Du coup, désolé, j'ai coupé en plein milieu. T'as coupé en plein milieu. Oui, mais c'est pas. Alors du coup, on va repasser sur ton écran et puis on va regarder un petit peu. Tu vas nous raconter. Du coup, t'as pas avancé depuis tout à l'heure parce qu'on te fait parler, on te fait chercher ton bah casque. Ouais. Oh là là, on va y arriver, on va s'en sortir, tout va bien. Mais évidemment qu'on va s'en sortir.
Alors, vas-y, raconte-nous ce qu'on voit, ce que tu fais et comment tu le fais. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai prévu déjà les couleurs avant ce live, parce que généralement, je mets beaucoup de temps à chercher les couleurs que je veux faire. Donc là, j'ai fait un masque, en fait. J'avais déjà placé les couleurs. Donc, les couleurs que j'ai, c'est celles-là, que j'ai mis dans la palette. J'ai une palette, on va dire, pour tout l'automne. J'ai déjà fait plein de tibus, toutes celles qui sont sur Instagram sont faites avec cette palette-là, j'avais tout de côté. Du coup, là, je l'ai importé dans Fresco pour tout avoir à portée de main. Et ce que je fais pour chercher les couleurs d'abord, c'est qu'une fois que j'ai fait mon croquis propre, donc ce croquis-là en noir, vraiment avec les traits noirs, je me mets sur un calque qui est derrière et je fais du coloriage. Ouais. Je colorie tout avec une grosse brush pour essayer de trouver les bonnes couleurs. Donc, ce qui donne à la fin ce calque-là. Et du coup, ça va me servir. Après, je prends la pipette et je refais calque par calque pour pouvoir faire mon dessin final. Donc là, on en est ici. Et effectivement, moi, j'ai une technique qui peut sembler un peu bizarre, c'est de faire tous les contours. Ça, je pense c'est la suite de la ligne claire. Je ne sais pas, j'ai toujours dessiné comme ça, j'aime bien. Ça fait comme du coloriage, quoi. Mais ouais, du coup, ça me permet de savoir vraiment où je vais et de ne plus avoir à réfléchir une fois que j'ai trouvé mes couleurs. J'ai juste à dessiner, en fait. Donc, c'est le moment que je préfère où je me pose et je fais des contours et je remplis. Carrément. De toute façon, ouais, toute la recherche, elle est au niveau du croquis au départ, quoi. Oui, c'est ça. Après, c'est un croquis que j'ai fait sur un carnet. Ouais. J'ai pris une photo directement avec mon iPad au-dessus du carnet et après j'ai refait un croquis au propre sur Fresco et j'ai cherché les couleurs sur Fresco et après je peux faire mon vrai dessin. Donc ça prend un peu de temps en vrai. Mais au moins je suis sûre que ça me plaît à la fin et c'est bien propre, quoi. Faire comme Laura, essayer de chercher couleur par couleur, j'y arrive absolument pas. J'ai besoin d'avoir des palettes de définis et c'est un truc... beaucoup plus simple, en tout cas, pour moi. Je sais pas. Ça, je pense qu'il y a plusieurs approches, pour le coup. Ouais, mais c'est hyper intéressant que tout le travail de couleur et tout se fasse vraiment en amont, en même temps que le croquis. Hein. Mmh. Tu fais jamais ça, toi ? Non, mais vraiment pas. Du coup. Ouais, c'est un peu du freestyle, quoi. Mais tu as toujours les mêmes couleurs pourtant qui reviennent. Après, tu as des palettes que tu mets de côté quand tu as trouvé une couleur qui te plaisait, non ? Tu mets dans une palette. Non, mais non, vraiment, j'ai pas du tout de. Genre, il n'y a aucune couleur qui est la même. Genre, je pense que forcément, instinctivement, j'utilise les mêmes tons, les mêmes gammes. Mais en fait, j'ai pas du tout de. Comment dire, de nuancier. Genre, s'il y a deux roses dans mes dessins, ça sera jamais exactement le même, parce qu'en fait, c'est. Genre, je le prends comme ça au hasard dans la. Ah ouais, j'étais persuadée que tu avais une palette de couleurs de base et qu'après tu remettais un peu les mêmes couleurs, parce qu'effectivement, le rose, on le voit beaucoup dans tes dessins, et pour moi, c'était quelque chose que tu avais de côté, une palette de base, quoi. Ouais, mais en fait, non, genre. Ouais, c'est très marrant. Mes couleurs préférées, mais. Ouais, parce que du coup, je me suis permis de repartager en fait les deux liens de vos sessions pour les gens qui aimeraient vous voir en solo et qui aimeraient bien revoir ce que vous aviez fait la fois précédente. Donc vous aurez les liens sur Behance et vous pourrez nous retrouver dessus. Florence nous demande une forme égale un calque ou c'est à nous de définir un calque au départ. Non, en fait, si on veut des calques séparés, il faut ajouter un nouveau calque. Ça se fait pas de manière automatique. Mais après, on peut dessiner de manière séparée ou tout ensemble. Ça, c'est vraiment selon sa façon de dessiner, quoi. Mais par contre, automatiquement, quand on prend une nouvelle couleur ou je sais pas un nouveau brush, forcément, ça reste sur le même calque, en fait. Moi, je mets tout une forme par calque, en tout cas au départ. Après, si j'ai une place, je compresse quelques trucs, mais sinon, j'essaye de tout séparer, comme ça au moins, je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Ouais, tu es sûre de pouvoir revenir sur chaque, tu es sûre de pouvoir éditer. Exactement. Ça semble judicieux. Oui, quitte à changer à dupliquer mon. Comment
Ce que je fais quand j'ai plus assez de calques, au lieu d'écraser même certaines choses, c'est que je duplique mon plan de travail. Donc, je reviens sur le menu principal, je duplique. Et là, j'aplatis sur un autre, et pas sur l'ancien. Ouais, surtout des pas fois, j'ai 3-4 fois le même dessin, mais à des étapes différentes. Quoi. C'est sympa aussi. Moi, j'ai tout. Alors, du coup, je continue de lire les questions les unes les autres. Laurence qui nous dit qu'elle avait vu ses publications de septembre de Camille Lagoard, qui est avec nous et qui était venue avec nous sur le live et qui sera la semaine prochaine, le vendredi. On se fait une grosse journée illustration, donc, parce que je vous ai un petit peu parlé de Max, mais pas beaucoup. Et vendredi prochain, le 6, on se fait une journée complète que sur l'illus. Alors le matin, je vous fais le tour des applications. Il y aura du Fresco, il y aura du Illustrator sur iPad, il y aura du Photoshop, plein de petits trucs sur les nouveautés, ce que j'ai pu glaner comme info à droite à gauche, tester, regarder un petit peu ce qui s'est fait dans les galeries Behance. L'après-midi, à 14h, on sera sur Adobe Live avec Camille. Ensuite, à 16h, on sera en masterclass avec Aurélien Janet, que j'avais reçu aussi sur la partie dessin illustrateur. Et là, ça tombe bien parce qu'il vient juste de sortir son livre avec de l'illustration animée. Donc, on va pouvoir parler de ça en plus de le regarder dessiner sur iPad. Et on terminera la journée qui va être très longue, mais tellement passionnante, avec Geoffrey Ernaud, qui est concept artiste et qui va venir dessiner en direct pour un Art & Talk du vendredi à 18h. Donc ça, c'est la dernière journée, c'est le vendredi 6. Et pour tous les gens qui sont intéressés par plein de choses autour de Max, il y en aura toute la semaine, du lundi 2 au vendredi. Lundi design, mardi vidéo, mercredi photographie, jeudi motion et vendredi donc l'illustration. Ça, comme programme. Je pense que ça va être cool. En tout cas, moi, je sais que ça va être très, très bien. Donc, je suis assez impatient de voir ça avec vous. Je vais regarder. Petite question de bref de jeu. Est-ce que généralement, le dessin, une fois terminé sur Fresco, il y a une passe sur Photoshop, est-elle encore nécessaire ou le travail s'arrête à un travail sur tablette? Ouais, ça dépend des gens, je pense. Moi, je passe tout le temps sur Photoshop parce qu'en fait, mais je pense que ça viendra après sur Fresco, mais genre, j'utilise énormément les réglages de teinte, saturation, pour vraiment modifier mes couleurs pour que ça soit exactement comme je voudrais. Et du coup, je passe sur Photoshop pour vraiment l'étape finale d'ajuster les couleurs exactement comme je veux. Ok, moi pas du tout. Ça y est, c'est fini, plus du tout de Photoshop à la fin. Non, j'ouvre pratiquement pas Photoshop. Non, surtout sur Fresco et à la fin, j'arrive à aller jusqu'au bout avec les couleurs et tout. Et du coup, j'ai pas le besoin d'aller derrière sur Photoshop, enfin, de mon point de vue du coup. Alors j'ai eu une question justement sur le Discord. On a un Discord d'ailleurs sur lequel on échange avec les artistes, avec les gens de la communauté qui sont intéressés sur ça. Et une des questions qui m'a été posée très récemment, c'était justement de est-ce qu'on peut passer de Fresco à Photoshop sur iPad directement ? Donc, j'ai répondu, ça, oui, pas de problème, vous ouvrez vos documents cloud et vous aurez du coup accès de l'un à l'autre. Et la deuxième question piège, c'était, mais comment est-ce qu'on fait si on n'a pas accès au Wi-Fi, etc. Et dans Fresco, vous pouvez partager le document au format PSD et du coup l'ouvrir dans Photoshop et vice-versa dans Photoshop sur iPad. Comme ça, vous avez tout sous la main si vous avez besoin de réajuster un petit peu des couleurs à la fin. Voilà, c'était l'information, petite information. Tété nous demande c'est quoi le Discord. Je vais vous mettre le lien du Discord dès que je l'ai retrouvé, ça va pas tarder. Hop. On essaye de faire beaucoup de choses en parallèle, c'est pas toujours facile. On va devenir des as, tout faire en même temps. C'est ça.
Et c'est équilibriste. Équilibriste, pardon. Hop. Donc, je vous remets le lien pour le Discord en français. Alors, je précise que c'est le lien pour le Discord en français parce qu'il existe un Discord de la chaîne Creative Cloud, donc ça c'est tout en anglais, et un Discord pour nos collègues allemands, pareil tout en allemand, sur lequel ben, on peut poser des questions, avoir du retour de la communauté justement sur des travaux, des travaux en cours, etc. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je vais remettre du côté YouTube, hein, parce que je sais que tout le monde n'est pas encore avec nous. Je vais vous remettre le lien vers la session Beyonce. Notamment tous ceux qui illustrent, hein, parce que ceux qui illustrent, j'aimerais bien cliquer sur vos profils pour savoir qui fait quoi. Ouais, même nous, on veut savoir. Bah oui. C'est hyper important. Mélocoton me demande c'est quoi Adobe Max, et elle poursuit en me disant mais désolé, j'étais off ces derniers temps. Là t'as complètement raté parce que j'ai fait que parler d'Adobe Max sur les trois dernières semaines. Ça a dû un peu saouler les gens au bout d'un moment, genre Franck arrête s'il te plaît. Et Adobe Max, c'est la grosse conférence Adobe sur laquelle on présente tous les nouveaux produits, sur laquelle on a plein d'inspirations dans tous les sens, des artistes qui soient graphistes, vidéastes, photographes, illustrateurs, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Ils ont reçu Shepard Fairey, Obey. Ils ont reçu Wes Anderson, Annie Atkins, Ai Weiwei était là. Il y avait plein de choses à voir et il y avait plein de sessions de formation, tout en anglais, certes, mais avec tellement de contenu. Ça, c'était la réponse pour Mélocoton. Elle a droit à une réponse spécialisée. Alors, qui veut commenter un bout de son travail, là, maintenant ? Qui s'y colle ? Sinon, il n'y a que moi qui parle. C'est... Ben, n'importe. Vas-y, Laura. On a dit que c'était toi. Bah, écoutez, là, je fais les rayures de mon fil. Du coup, j'ai pris le brush crayon, qui est le brush tout simple, mais que je trouve vraiment sympa, en fait. Mm-hmm. Du coup, je l'utilise pas mal en tant que brush pour faire des détails. Par exemple, les expressions des personnages, là, les rayures. Je trouve qu'il est cool parce qu'il y a un peu de texture, mais juste ce qu'il faut. Pas mal. Et donc là, je vais finir les rayures. Et puis après, j'ai essayé de mettre un peu de texture dans la partie orange du tigre. Voilà où j'en suis. Nickel. Très bien. Et je vois Laurence Marcoux qui nous dit oh, ni l'une ni l'autre n'a sauvegardé son travail tellement elles sont concentrées. Donc j'ai rassuré Laurence en lui disant que même si vous n'aviez pas sauvegardé votre travail, comme on était dans les documents cloud, en permanence, vous avez un enregistrement qui se fait en arrière-plan de votre illus, de l'état du moment, et du coup c'est assez safe. Heureusement qu'il y a ça. Après, c'est pas une mauvaise idée de renommer son travail pour le retrouver plus tard, mais en tout cas, c'est vrai que là, on peut vraiment démarrer et on se préoccupe plus du tout du nom des calques, par exemple. Le nom des calques, il n'y a plus dans Fresco. Oui, c'est vrai. On peut en mettre des centaines. Mais ouais, ça sauvegarde tout seul. Ouais, ça sauvegarde tout seul. Alors tu peux lui demander. Je sais plus si c'est. Oui, c'est dans la dernière version et c'est déjà dans la version publique. Mais normalement maintenant, t'as dans là où il y a le nom de là où il y a le titre du document, tu peux lui demander d'enregistrer maintenant. Si je dis pas de bêtises. Tout en haut là. Enregistrer maintenant. Oui. Et ouais, voilà. Il est là. Voilà. Et ça, donc non seulement ça vous enregistre le travail en cours, mais en plus ça pousse une version à l'intérieur de Fresco, et comme ça vous pourrez retrouver justement les étapes de travail, et ça c'est cool aussi. Oh, c'est pas mal ça. C'est bon, après, normalement, sauf si, mais ça enregistre pas par exemple si on n'a plus de batterie sur l'iPad et que tout s'éteint quoi. Tu perdras les quelques dernières secondes de travail ou minutes peut-être, mais je t'avoue que je suis jamais allé jusqu'au bout de la batterie, donc je sais pas. Tu es quelqu'un de précautionneur, c'est bien. Extrêmement c'est bien. Paranoïaque, ça s'appelle. Et moi, ça m'arrive tout le temps.
Florence nous demande comment ça se comporte le stylet. Je trouve ça assez inconfortable sur une tablette graphique. Est-ce que c'est mieux? Alors, je ne sais pas quelle tablette graphique utilise Florence, si c'est une Wacom genre Cintiq avec écran, ou si c'est une Wacom type Intuos où l'écran est déporté. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous travailliez déjà sur ordi et tablette au départ, Laura Aurore? Moi, j'ai travaillé pendant quelques mois au tout début sur une Wacom, mais sans écran, la Wacom toute simple. Et du coup, c'est vrai que c'est genre vraiment un univers à côté de pouvoir dessiner sur un écran directement. Du coup, enfin, moi, enfin, si c'est, enfin, je trouve qu'il y a vraiment une énorme différence et un énorme avantage de pouvoir dessiner direct sur l'écran parce que c'est quand même beaucoup plus agréable. Et du coup, je suis passée à l'iPad juste après et depuis, j'ai jamais ressorti la Wacom. D'accord. Ouais, moi je suis encore sur Intuos. Je continue vraiment d'avoir les deux. Et pour faire plaisir à Greg qui était à la recherche d'une version iPhone, je suis en train de tester le dessin en live sur l'iPhone pour voir si ça peut marcher ou pas. Une Et tu question de dessines avec... Marion. Pardon? Non, pardon, j'allais te demander, tu dessines avec quel stylet, du coup? Alors du coup, c'était celui que je montrais tout à l'heure, je ne sais pas Ah si oui, ça se c'était voit, ça, c'est un stylet Wacom bambou qu'ils ont fait, mais Ok, je connais. il a 6-7 ans, tu vois, c'était pas, peut-être moins, je ne sais plus, mais c'est un stylet avec une mine gros doigt, donc c'est un peu bizarre, il n'y a pas la Ah, pression je dessus. vois, j'en ai un. Il y a même eu J'avais une ça époque avant. où il les fournissait, tu sais, à l'arrière des stylos promo, je Ah ne oui. sais plus, ouais. Un peu comme les frictions. Marion me demande, est-ce qu'il y a une différence entre Procreate et Fresco? Et pour l'instant, lequel des deux vous préférez utiliser? Alors, en sachant que vous étiez toutes les deux sur Procreate au départ, je crois. Oui. Ouais, moi j'ai commencé avec Procreate du coup. Et puis bah forcément, enfin, il y a plein de différences forcément, mais genre, je trouve l'avantage par contre vraiment sur Fresco, c'est les broches dynamiques et surtout le fait de pouvoir dessiner avec des broches vectorielles. Puisque du coup, moi par exemple, ça m'arrive enfin, souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois pour des projets clients qui voulaient voilà, du vectoriel et je suis incapable de dessiner sur Illustrator. Du coup, bah, ça m'a bien aidé parce que j'ai pu dessiner comme d'habitude, sauf que c'était des broches vectorielles. Du coup, ben, ça m'a un peu sauvé la vie, vraiment. À ce point-là. Oui, vraiment, j'abuse ça. Même pas un peu. Et toi, Aurore, du coup, ouais, tu t'y es mis vraiment pour ce projet-là en plus. Ouais, du coup, parce que j'avais jamais ouvert Fresco, moi je suis la personne qui s'habitue à quelque chose et qui n'en bouge plus. Du coup, j'étais beaucoup sur Procreate et du coup, je me suis mise à Fresco bah, plutôt récemment, quoi, ça fait déjà quelques mois. Mais je sais pas, c'est pas la même dynamique, c'est pas la même façon de dessiner. Effectivement, les broches sont pas les mêmes. Et du coup, à la fin, je trouve que mes illustrations faites sur Procreate et sur Fresco n'ont pas la même tête. Et du coup, j'aime bien changer un peu l'un, un peu l'autre. Et puis, ça dépend des projets. Il y en a pour certains projets, je préfère Procreate, le rendu de la façon dont je dessine sur Fresco. Et d'autres où je préfère sur Procreate. Ça dépend. Pour moi, c'est juste pas la même chose, quoi. Les deux sont à tester. Ça, c'est Ouais, sûr. c'est un peu comme quand tu changes de médium ou t'es sur de l'aquarelle, du crayon ou autre. Exactement. Ouais, pour moi, c'est ça. Donc, à mon avis, chaque personne a sa façon de dessiner. Donc, à tester les deux applications. Et ça se trouve, il y en a une qui ira plus pour vous qu'une autre, hein, tout simplement. Vraiment. Voilà. Parce que, après, sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, les tablettes graphiques, moi, je suis incapable de dessiner sur une tablette graphique. D'accord. J'arrive pas. Avec ou sans écran? J'ai jamais testé avec un écran. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir le temps d'acheter une grande tablette, puisque l'iPad est sorti avant. Donc, je suis restée pendant presque 10 ans avec une Bambou, toute petite. Et je m'étais à peu près habituée à dessiner avec ça, mais depuis que je suis passée à l'iPad, ça n'a rien à voir. Puis même sur la façon je me suis tellement améliorée en dessin depuis que je dessine sur l'iPad. J'imagine qu'avec une Intuos, enfin une grosse tablette avec écran, ça revient à peu près quand même la façon de travailler et la façon de dessiner que par rapport à un iPad. Mais sur une tablette sans écran, avec du coup l'écran déporté sur notre ordinateur, j'arrive pas. Impossible.
C'est clair que c'est un geste à prendre et que c'est une vraie grosse habitude. Moi, je continue d'être très heureux de ce côté-là. Mais... Bah, c'était habitué. Moi, je l'ai eu du coup, surtout pendant mes études. Au lycée, pour gribouiller et pendant mes études. Et je ne faisais pas beaucoup d'ILU à l'époque parce que je trouvais que ça me prenait tellement de temps et que c'était tellement long avec la bambou que je ne faisais pas d'ILU. Merci à l'iPad de m'avoir réconcilié. Je vois. Et du coup, Marion nous dit, dernière petite question et j'arrête. Attention, il ne faut pas dire des choses comme ça. Si je comprends bien, l'intégralité du dessin sur fresco est vectorielle. La réponse est non, absolument pas. Pas l'intégralité, pour le coup. Et je ne sais pas si vous voyez sur un des deux écrans qu'on a sous les yeux. Tout en haut, c'est des pinceaux pixels. Le deuxième, ce sont des pinceaux dynamiques. Je ne sais plus comment ils les ont appelés. Ouais, c'est dynamique, c'est ça, pardon. Donc ceux où il y a des aquarelles et de l'huile, et là c'est assez magique. Et le troisième, ça va être les pinceaux vectoriels. Donc là, c'est pareil, c'est une autre manière de dessiner. Et pour les gens qui n'étaient pas à l'aise justement avec du vecteur pur, comme on pouvait le faire au début dans Illustrator, c'est vrai que ça, je pense que ça a réconcilié pas mal de gens avec ce genre de rendu. Je pense les gens qui travaillent autour de la sérigraphie, autour du dessin manga ou autre. D'ailleurs, il y en a l'une ou l'autre. Est-ce que vous utilisez les pinceaux vectoriels et notamment tout ce qui est trim pour le dessin? Tout ce qui est découpage, pardon. Oui, pardon. Non, c'est moi, bon. Du coup, je les ai utilisés pour des projets où je devais. Enfin, qui partaient en sérigraphie après, en fait. Et où on me demandait vraiment de donner du fichier vectoriel. Du coup, là, j'ai fait mes dessins avec les broches vectorielles, mais sinon, je m'en sers jamais. C'est juste quand c'est nécessaire par rapport à un projet ou une méthode d'impression. Particulière, mais du coup ça sauve la vie quand même, forcément. Carrément, ouais. Donc, moi je dessine encore sur Illustrator, sur ordinateur, mais du coup comme j'utilise pas de tablette graphique, je dessine au trackpad. Ouais, évidemment, dans ce cas-là, je comprends que c'est pas exactement la même chose. Ouais, mais, je sais pas, j'arrive à m'en sortir, c'est vraiment la seule application où j'arrive à dessiner au trackpad, quoi. C'est un peu ridicule, mais au moins je m'en sors. C'est pas la même chose. Bon, non, mais c'est pas mal. Moi j'ai dessiné longtemps au trackpad. Ouais. Ouais. Qui sait, j'ai discuté avec une illustratrice aussi sur Instagram il n'y a pas très longtemps et elle faisait toutes ses illus au trackpad. Et j'étais là, mais ah ouais, c'est des grosses illus avec plein de détails. J'étais là, ok. Trop forte. Comme quoi, c'est possible. C'est moins pratique, mais c'est possible. Hein, c'est clair. Bien sûr. Tout à fait. Il faut juste être très motivé. Voilà. Ouais. Pour le coup, c'est assez impressionnant. Ah tiens, pour Greg Butet qui parlait de dessin sur iPhone, je vous en reparlerai sûrement dans la prochaine session, mais sur Fresco sur iPhone, il faut aller chercher dans les préférences et dans les réglages l'affichage du rond, du raccourci tactile, celui qui permet de gommer, etc. Ils ont choisi de ne pas l'afficher par défaut, et je trouve que ce n'est pas forcément leur meilleur choix. Mais du coup, voilà, vous pouvez le retrouver là si jamais vous le cherchez comme moi, désespérément. Oh, il est pratique ce petit rond. Moi, j'aime bien pour utiliser la gomme. Moi, je m'en sers. Là, je suis en train de faire le passage vecteur de l'illustration en cours. Et je m'en sers sur les vecteurs pour découper, tu sais, pour virer les morceaux qui dépassent. J'aime bien. Ok. Très bien. Je vous montrerai ça un jour. Ouais, clairement. Super. Il faudrait une petite musique d'Halloween en fond pour aller avec mes illustrations. Ah oui, carrément. Je suis sûr que vous vouliez que je chante. Si, on veut. C'est bon. On est sûr que c'était juste pour vous aujourd'hui. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. J'ai une question de Mélocoton.
expérience de mettre un dessin fresco avec du pinceau vectoriel sur Illustrator, mais la vectorisation était bizarre, j'ai pas pu faire ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a une vidéo sur ce genre de transfert? Oui, j'ai déjà fait du passage de fresco à Illustrator, mais on en fera un petit peu plus la semaine prochaine, promis. Donc, Mélo Coton, il faut patienter un tout petit peu. Guillaume Bale nous demande « Aurore, tu es obligé de retravailler chaque contour après remplissage de la couleur ?» Point d'interrogation. Alors, avec cette brush, oui. Je pense qu'il y a d'autres brushes qui ne le font pas, mais là, sur les pinceaux pixelisés, ils ont vraiment fait pixel. Et chaque fois que je remplis une forme, il faut que je repasse le contour. Mm-hmm. Après, ça me permet de bien aussi redéfinir mon trait sur les côtés, parce que des fois, je le fais un peu à la va-vite, c'est pas forcément tout droit, bien droit. Ouais. Du coup, je le repasse comme ça. Je sais pas s'il y a une technique pour que ça se remplisse sans faire le trait sur les bords, ou si c'est vraiment à cause de cette brush-là. Non, en fait, tu peux avoir le... Comme tu as une brosse qui est très... qui est très écrété. Si tu vas avoir le même problème que tu as dans Photoshop, en fait, il faudrait presque faire une sélection, pour, une sélection agrandir et remplir. Mais pour le coup, on n'a pas ça là-dedans. Et la tolérance, en fait, va fonctionner sur la couleur. Donc, si tu as des petits trous dedans, ça marche moins bien. D'accord. Alors après, autre truc, hein, c'est que tu peux gommer dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu peux utiliser ta brosse un peu éraillée pour pouvoir gommer les éléments que tu mets en place. Les éléments qui débordent, etc. Ça, oui. C'est possible aussi. Pas de soucis. Dave Chine nous demande quelle différence entre Fresco et Photoshop sur iPad pour dessiner. Alors pour le coup, Photoshop sur iPad, on a aussi des pinceaux, on a tout Photoshop, mais du coup, ça veut dire que vous allez avoir plein d'éléments en plus, vous aurez les noms de calques, etc. Moi, perso, je suis très content du côté minimaliste de Fresco pour pouvoir travailler. Je ne sais pas si ça vous parle, Aurore et Laura. Non, moi, j'ai jamais essayé de dessiner sur Photoshop sur l'iPad, du coup. Mais il faudrait que je teste, vu que je passe quand même systématiquement mes fichiers sur Photoshop. Enfin, il faudrait que je sois juste en test pour voir un peu comment ça se passe. Ça peut être intéressant. Ouais, pour le coup, c'est vrai. Et ils ont fait évoluer en fait les formats de fichiers. Tu sais, quand tu passes dans les clouds documents, la première fois, bon, ça prend évidemment le temps de sauvegarde, le premier arrivé du fichier. Par contre, chaque nouvelle modification sur un bout de calque, ça va aller hyper vite à sauvegarder. Et tu vas passer très vite en fait de la version ordinateur à la version tablette ou d'une des applis tablette à l'autre. Ça, c'est cool. Oui, ça, c'est cool. Moi, je me rappelle que j'avais testé, mais quand ça venait de sortir. Mais je n'ai pas testé depuis. Ça s'améliore de jour en jour. Et Camille nous dit, perso, j'utilise des broches très écrêtées et je règle les paramètres du pot de peinture entre 245 et 249 et ça remplit pas mal. Donc, vraiment une grosse tolérance. Tu vois. Ok. Et ça, c'est dans quoi, le pot de peinture? Ce serait dans le pot de peinture, oui. Ah, parce que la tolérance par défaut du pot de peinture, elle doit être à 30. J'avais jamais vu ça. Ok. Voilà. Je vais tester. Merci Camille. Oui, c'est vrai, ça va t'aider. Merci Camille. On en apprend tous les jours. Mais oui. Bon, vous avez prévu quoi pour aller, du coup, puisque c'est le thème? On a acheté des bonbons, au cas où les gens sonneraient. Et plein de masques. Oui, des masques sorcières, des masques. Ce genre de masque aussi. Et toi, tu fais quoi, Aurore? Rien du tout. Je vais dessiner. Bien. Je vais prendre mes masques, mais mes masques d'écritage pour dessiner. Oh. Waouh. Super. Attention, tu commences à faire des blagues comme les miennes. Je suis pas sûr que ce soit bon signe. Plus de séances, plus de blagues. L'influence Adobe. La mauvaise influence. Okay.
Alors, Steve nous demande s'il n'y a pas moins d'options sur Fresco, teinte, de teinte et saturation, niveau. Si, si, il y a moins d'options. Mais justement, il y a quelques options sur lesquelles on sait qu'ils sont en train de travailler pour pouvoir nous faciliter la vie pour le dessin. D'ailleurs, quand vous êtes sur l'écran d'accueil de Fresco, vous avez un petit encart sur les nouveautés à venir, donc à la fois sur les, enfin, sur les nouveautés de l'application, les dernières sorties, mais aussi sur les nouveautés à venir, celles sur lesquelles ils sont en train de travailler. Donc, ça peut vous donner plein d'idées et comprendre un petit peu que bah oui, l'application avance à grands pas, que ça fait plein de trucs chouettes. Donc, n'hésitez pas à regarder régulièrement. Camille a prévu d'acheter des bonbons et de les manger. Et de regarder des films doudou qui font moyen peur. Ce que j'allais dire, très bon programme. Je pense que ce sera la même chose chez moi. On va essayer de faire ce genre de choses aussi. Vous avez déjà fait des illus sur le thème d'Halloween ou pas, Laura? Je ne sais plus. Là, cette semaine, non, ce mois-ci... C'est la première de toute ma vie. Ah ouais? Oui, j'ai oui, jamais dessiné une citrouille. Déjà... Bah non, vraiment. Ah bah. Non, non, j'avais jamais dessiné sur ce thème, du coup, ça tombe extrêmement bien. Oui, bah oui. Pourtant, j'aime. Enfin, je trouve ça trop cool, l'ambiance, les inspirations Halloween et tout. Moi, je sais pas. C'était le moment. En fait, il fallait que j'attende ce moment. On a été la bonne occasion. Mais toi, j'ai vu que t'en avais fait pas mal dernièrement. J'aime tu t'es mis dans l'ambiance à l'heure. Oui, carrément. Là, c'est le besoin de cosplay, le besoin de... Je sais pas, mais je me dis... Pourtant, je suis pas très fan d'Halloween, mais... Enfin, pas plus que quelqu'un de normal. Mais là... Je sais pas, je pense que comme j'ai trouvé la bonne palette pour l'automne de couleurs, j'ai eu envie de tester plein de trucs d'Halloween. J'ai trouvé une palette, je vais l'utiliser à fond. Mais ah mais carrément, va falloir que j'en trouve une autre pour novembre. Sinon ça va rester comme ça jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que ça t'arrive d'ailleurs de partager tes palettes? Non, mais c'est une très bonne idée ça pour le coup. Ce serait pas mal. J'ai jamais fait ça. Alors, je sais que ce n'est pas votre truc, Illustrator, mais, oui, je sais. Mais sur la version iPad d'Illustrator, non, sur la version bureau d'Illustrator, le Recolor Artwork, donc redéfinir les couleurs de l'image, est assez magique là-dessus, parce qu'on va pouvoir prendre une image complète et il va fabriquer, tu sais, le thème avec les 5 couleurs comme il fait dans Capture, sauf que là, il va le faire en direct et il va l'appliquer à l'illustration finale. Et tu peux tester plein de trucs et ça va hyper vite. C'est trop, trop bien. Mais pour les gens qui sont... Ouais, ah, c'est tout nouveau, c'était mardi dernier. Pour les gens qui sont à la recherche de couleurs. Moi, je peux... vu ça dans la keynote. Ouais. Carrément. D'ailleurs, en parlant de ça, et je me rends compte que l'heure avance à très 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 grands pas. Genre, je viens de lever la tête et de découvrir qu'il était 15h. Oui. Oh là là, ça passe vite. Ça passe beaucoup trop vite. Pas en pleine nuit. Donc, les gens, le cher public, est-ce que ça passe vite pour vous aussi? Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous voulez en voir plus? Ou est-ce qu'on se dit juste que là, on va avancer suffisamment et regarder les illustres en grand, et puis qu'on regardera la fin, une fois que ce sera posé sur vos réseaux respectifs? Exactement. Moi, je pense que j'ai la postée ce soir, donc ça va aller vite. Moi, j'espère pouvoir. Pas de pression. Il reste encore pas mal de travail dessus. Non, c'est on va ça, dire, deux petites heures encore. Ouais. Alors, 2 heures, on ne va pas les prendre ensemble. Non, je sais bien. Mais le coton nous dit que c'est trop court et ça va trop vite. Oh. Et oui. C'est mignon. Mais c'était chouette, heureusement. C'était un petit peu l'idée. Et alors, pour ceux qui ont bien aimé cette session, j'ai une très très bonne nouvelle. C'est que ce n'est pas la dernière.
Et parce qu'on s'était dit que on s'était dit que c'était intéressant justement de pouvoir faire intervenir certains artistes régulièrement. On l'avait déjà fait avec Aurélie Chantelly sur la partie photo. On a reçu plusieurs fois Nicolas Grandry. On continue comme ça de temps en temps. Et du coup, on vous revoit très très bientôt toutes les deux pour une autre session illustration. Et donc, la première session, c'était un thème Halloween. La prochaine, est-ce que vous vous rappelez du thème ou je vous aide? Je viens que tu nous aides. Oui, dans l'ordre, j'ai. Dans l'ordre, je ne sais plus non plus. Donc l'idée, c'était de se dire que le prochain, ce serait sur le thème d'une tenue d'automne. La Ah, troisième, ce voilà. sera le repas d'automne. Ça, c'est très bien aussi. Et on terminera sur le paysage. Exactement. Faire un petit peu de tout, couvrir C'est différents ça. sujets. Ouais, c'est ça. On va C'est rentabiliser l'automne, la palette de quoi. couleurs d'Aurore. Exactement. En fait, je vais pas la laisser Mais à tomber la tout de suite. fin. Non, non. Non, c'est super. Est-ce qu'on ne se mettrait pas toutes les deux en plein écran? Hop. Appuyez sur le bouton enregistrer. Aurore. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir au moins cette étape-là. En haut, J'ai ah oui, pas enregistré. écouté. Mais oui, Ah vous voyez. ah. Enregistrer maintenant. Et là, ça meurt en direct. Tu sais, il faut Non, non. recommencer. C'est où enregistré, pardon? J'ai pas Quand tu, écouté. sur ton titre, là où c'est écrit senti le 26 octobre, Ah, ok, génial. et oui, C'est au très même fort. endroit d'ailleurs, si tu cliques sur le nom, tu peux lui donner un vrai titre qui est plus cool, mais pour aujourd'hui, ça Oh, ira. ouais, c'est vrai que. C'est vrai que c'est pas sérieux du tout, du tout, du tout. Non, je suis désolée. On fera des Il jolis y a titres des pour la efforts à prochaine fois. faire. Promis. Avec le thème, comme ça sera clair. Exactement. Eh ben écoute, ouais, c'est cool de voir le résultat pour l'instant, parce que là on voit plus que nos têtes, mais on va remettre les écrans. Et c'est très très chouette hein, de voir comme vous avez avancé. Et surtout en étant parti de juste du croquis en direct, quoi, sans être allé, enfin sans vous concerter en amont. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. On se fait tous des partages sur Instagram et on va continuer comme ça. Et Camille nous dit on finit sur Légende d'automne et on dessine tous Brad Pitt. Ah ben voilà. C'est une toute autre idée. C'est un autre thème là. Exactement. C'est cool. Et puis ben voilà, du coup merci à toutes et à tous. On se retrouve nous demain avec Milena Perdriel pour parler photographie. On enchaînera dans la semaine avec Atom pour parler plugin à l'intérieur d'After Effects. Et puis la semaine prochaine, si vous êtes toujours avec nous, là il se passe plein de trucs. Donc la semaine prochaine, on a du design, on a de la vidéo, on a de la photo, on a du motion et on a de l'illustration. 5 jours, on a vraiment vraiment de quoi se faire plaisir. Donc rejoignez-nous semaine prochaine, Best of Max. Et sinon, bah, demain, 14h. Sur ce, merci beaucoup à toutes les deux. Et à très très bientôt. Bonne fin de journée aux uns et aux autres. Et merci Aurore. Merci beaucoup. Et merci Laura. Merci à vous. Bye bye. À bientôt.